C'est tard de faire les choses bien et avec plein de couleurs, plein de sons, plein de dynamisme. Les Portugais, on les adore. Et je vous demande de les applaudir très, très, très fort. Voyez, ouais, avec le drapeau. Excusez-moi. Pardon.
T'as compris? À l'envers. Démarre, jeune homme. Hop. À une jeune fille. Allez, hop. Et puis on va prendre les instruments aussi. Les instruments de musique. Vite fait, on va faire. Vous allez nous en parler, monsieur. Alors, quel est cet instrument, s'il vous plaît? C'est un tambour. Voilà. Un tambour. Très bien, le tambour normal. Celui-là, c'est le raspa. Ok. Elle est vieille, celle-là. Hein. Elle est fatiguée, et lui? D'accord, donc on est traditionnel. L'association, t'en dites un tout petit mot? On serait un peu de Fossigny qui a changé. Elle existe depuis 1974. Et puis le groupe folklorique, il était monté en 1978. Avec, nous avons vu, avec des jeunes qui sont habillés avec les habits traditionnels d'une région côtière très touristique de Nazareth. Qu'il y a des gens qui doivent connaître. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les femmes sont habillées avec les 7 jupes qui représentent chacune un jour de la semaine. Et lui, le monsieur, c'est l'habit de travail parce qu'il est parti à la pêche. Ok? Et après une, quand même, pour que les gens y voient que c'est vrai, pour qu'elle monte ses jupons. Donc, je demande à quelqu'un qui vient d'abord pour monter les jupons, pour que tout le monde voit vraiment qu'elles ont bien les 7 jupons. Si vous voulez compter avec elle, vous pouvez y compter, hein? Allez. Elle s'arrête à 7 ou... Après, c'est pour chauvelier, après. 2, 3, 10. Ok, on a applaudi très fort les filles. Bravo, merci monsieur. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Ciao. Bien, petit gars. Est-ce que...